Bonjour, à nouveau cette semaine dans la tribune des travailleurs, nous titrons sur les grèves qui se multiplient dans tous les secteurs sur la question des salaires. Je vais y revenir, mais avant, un détour sur l'éditorial de cette semaine. Un édito qui, bien évidemment, revient sur les grèves, des grèves qui s'expliquent facilement hein, quand les profits ne cessent d'enfler d'un côté, tandis que la misère s'étend de l'autre côté, avec une injustice flagrante pour l'ensemble des travailleurs et de la classe ouvrière. Et dans le même temps, pendant que ces grèves se multiplient et s'étendent, eh bien, les sommets des partis de gauche organisent la division. On le voit chaque jour davantage. Et c'est vrai que dans cette situation, on s'interroge sur les travailleurs iront-ils ou pas voter? Sans doute n'iront-ils pas assez massivement. Sans doute iront-ils aussi pour d'autres, mais sans attendre de leur vote qu'ils modifient la situation. Et il est évident que, quel que soit le moment, avant ou après l'élection présidentielle, tout le monde sait que c'est la lutte de classe qui permettra d'ouvrir une perspective de rupture avec la politique en cours. Alors, on peut être étonné des propos de certains députés, notamment la députée du PCF, Marie-Georges Buffet, qui explique que le seul espoir pour la gauche, c'est aujourd'hui un accord LFI-PC sur la candidature de Mélenchon, avec un accord pour les élections législatives permettant un groupe du PC à l'Assemblée nationale. Bon, outre que cela fait longtemps qu'il existe un groupe du PC à l'Assemblée nationale, on ne voit pas très bien quel est l'espoir qui pourrait être ouvert par cette perspective. Une chose est certaine, c'est que l'espoir surgira de la rupture ouvrière, c'est-à-dire la rupture organisée par les travailleurs eux-mêmes, et donc ceci pose la question du gouvernement qui mettra en œuvre les mesures permettant de répondre aux aspirations du plus grand nombre. Alors, les grèves, j'en parlais tout à l'heure, j'y reviens. Cette semaine, c'est en particulier la grève dans le groupe Dassault. C'est pas n'importe quel groupe Dassault. Hein. Dassault, c'est des carnets de commandes pleins à ras-bord. Un chiffre d'affaires en 2020 de 5,5 milliards d'euros, des dividendes records versés aux actionnaires et cerise sur le gâteau, le fameux contrat de vente avec les Émirats Arabes Unis de 80 rafales qui ont été vendues donc le 5 décembre pour la modeste somme de 17 milliards d'euros. Alors pendant ce temps-là, au moment des négociations annuelles obligatoires, les NAO, là, les patrons de Dassault proposent une augmentation, imaginez-vous, de 1,8%. 1,8% et rien de plus au moment où, je viens de l'indiquer, cette entreprise réalise des bénéfices records. Et pire encore, hein, à l'un des salariés qui osait demander des comptes à sa direction, expliquant qu'il avait du mal à joindre les deux bouts, la direction lui a répondu que Dassault n'avait pas pour vocation de se substituer aux aides sociales et que les personnes qui avaient des bas salaires pouvaient s'adresser aux assistantes sociales, aux comités socio-économiques, aux municipalités, voire aux secours populaires. Donc, vous l'avez compris, Dassault engrange les milliards et envoie ses salariés aux secours populaires. Sauf que ça ne se passe pas exactement comme le voudrait la direction, puisque le 9 décembre dernier, la plupart des sites de Dassault, enfin la plupart des ouvriers des sites de Dassault étaient en grève pour une augmentation de salaire. Et Yannick Duigou, qui est secrétaire CGT Dassault à Argenteuil dans le Val-d'Oise, explique très bien quelle est la revendication principale des salariés de Dassault. Elle est très simple, une augmentation de 200 euros par mois net pour tous les salariés, pour toutes les catégories. Et c'est sur cette revendication que la grève a été organisée dans l'ensemble des sites le 9 décembre dernier. Alors, c'est Dassault, et puis c'est des entreprises aussi beaucoup plus petites. Hein. Par exemple, vous verrez ce témoignage de Lucette, qui est syndicaliste CGT à Haguenau dans le Bas-Rhin, et qui relate une série de grèves, hein, puisque comme elle est elle a des responsabilités à l'union locale. Les salariés et les délégués syndicaux viennent la voir pour qu'elle les aide à organiser la mobilisation sur les revendications. Et elle explique notamment cette grève de 4 jours récemment dans un
une boîte de transport scolaire. Ils ont posé les valises, les sacs, comme on dit, pendant 4 jours, et ils ont obtenu des augmentations allant de 2 à 4%, 2 embauches supplémentaires, ainsi que l'augmentation conséquente du montant du panier repas qui leur est attribué. Et puis, vous verrez également ce témoignage, toujours en page 3, de ce syndicaliste FO à Carrefour, dans le Pas-de-Calais, à Arras. Il est cariste, hein, il met les produits en rayon, et au bout de 29 ans de boîte, il touche un salaire de 1 256 € net, et eux aussi, bien évidemment, demandent des augmentations de salaire. Il revient sur ces conditions de travail qui sont extrêmement difficiles, et là encore, la direction ose proposer une augmentation ridicule, de 0,6% pour l'année 2022. Et je crois que la question qu'il pose à la fin, en disant qu'il faudrait que tous les salariés de Carrefour, même de toutes les grandes surfaces, se mettent en grève pour exiger la hausse de tous les salaires et l'embauche de vrais salariés, c'est une question qui est posée aujourd'hui à de nombreux travailleurs dans de nombreux secteurs. Et puis, vous verrez également en page suivante, en page 4, la grève nationale des agents de la sécurité sociale qui a eu lieu en début de semaine. Là encore, la raison est la même que celle que je viens d'évoquer. La revendication, c'est l'augmentation des salaires, notamment l'augmentation du point permettant de compenser la baisse du pouvoir d'achat qui est considérable chez les agents de la Sécu comme chez l'ensemble des travailleurs. Et vous verrez le reportage qui a été réalisé par nos correspondants en page 4 de la Tribune des travailleurs au siège de Lucans à Montreuil mardi dernier. Alors, il y a ces grèves pour les salaires et puis plus généralement, des grèves contre la dégradation des conditions de travail dans tous les secteurs. En page 4, par exemple, nous revenons sur la situation dans les hôpitaux. Alors, il y a une série d'articles, j'insisterai sur l'hôpital Joffre du Puitrain dans l'Essonne, où le délégué FO explique quelles sont les revendications des salariés dans l'hôpital. La direction, elle a un projet en soi qui n'est pas condamnable, hein, puisqu'il s'agit de mettre en place une unité de gériatrie aiguë, mais à cette occasion, la direction en profite pour fermer 17 lits dans l'un des bâtiments de l'hôpital. Et le syndicaliste en question explique qu'il y a déjà 40 lits qui sont fermés, avec des conséquences désastreuses, et que leurs revendications sont des aides-soignantes, des infirmières en plus, le matin, l'après-midi, la nuit, et puis un cadre pour la nuit. Et effectivement, ce manque de personnel que connaissent aujourd'hui tous les hôpitaux a des conséquences considérables. Nous publions dans la même page, en page 4, deux lettres ouvertes ou deux tribunes de médecins. La première est signée par des médecins du service de neurologie de l'hôpital Bicêtre qui alertent sur les conséquences des fermetures de lits en raison du manque de personnel et ils expliquent que cela entraîne des pertes de chances considérables pour les patients. Et c'est vrai aussi pour les médecins de la PHP avec une tribune qui a été publiée dans Le Monde très récemment et eux aussi alertent sur le fait que les soignants sont aujourd'hui contraints de refuser des soins médicaux et chirurgicaux. Plus généralement, on le sait, le plan blanc qui est déclenché pratiquement dans toutes les régions maintenant a une conséquence immédiate pour les malades, c'est la déprogrammation des interventions. Et puis pour les personnels, c'est bien sûr le fait qu'on exige d'eux qu'ils renoncent à leur congé de fin d'année. Alors, personnel hospitalier, mais aussi personnel territoriaux. Et cette semaine, je voudrais insister sur la situation au conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Alors, c'est un conseil départemental qui est présidé par Stéphane Troussel, qui est membre du Parti socialiste, et c'est un conseil départemental dont la majorité est composée des élus du PS, du PC, de LFI et d'Europe Écologie Les Verts. Et comme, j'allais dire, la plupart de ses collègues, il dit qu'il est contraint de mettre en œuvre la loi du Sceau sur les 1607 heures, avec des conséquences, notamment des pertes de jours de congé pour les agents du conseil départemental. Et il y avait le 7 décembre une assemblée à l'appel de la CGT, une assemblée des personnels,
Et un débat a eu lieu dans cette assemblée sur, je résume le débat, faut-il aller chez le préfet revendiquer la non-mise en place des 1607 heures ou faut-il aller chez Troussel, le président du conseil départemental. Alors, les responsables de la CGT au niveau du département poussent à ce que la délégation soit organisée en direction du préfet. En revanche, la responsable du syndicat FO des ATTE, hein, les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement du département, elle insiste en disant la responsabilité, elle revient au conseil départemental et donc à Stéphane Troussel. Et elle explique cette chose qui paraît tout à fait évidente. Elle dit dans sa lettre, Troussel nous dit « Je n'ai pas de sous pour appliquer les 1607 heures, donnez-moi des sous. Je propose que, dit-elle, tous les syndicats s'adressent à Troussel pour lui dire « Non, ce n'est pas des sous qu'il faut, il ne faut pas appliquer la loi du sceau qui met en place la question des 1607 heures. » Et ensuite, s'engage un débat dans cette assemblée du personnel où de nombreux agents, qu'ils soient syndiqués ou pas, qu'ils soient syndiqués à la CGT ou à FO, considèrent effectivement qu'il faut aller là où véritablement les choses se décident, c'est-à-dire chez le patron, c'est-à-dire chez Troussel. Et au terme de cette assemblée générale, au terme de ce débat, l'assemblée a fait le choix d'aller chez Troussel, avec une motion qui a été adoptée par les 300 agents présents. Et puis, puisqu'on parle de grève, je poursuis, il y avait aussi une mobilisation extrêmement importante la semaine dernière chez les personnels du social et du médico-social, hein, vous savez, les éducateurs, les assistants sociaux, conseillères en économie sociale et familiale, les formateurs, les auxiliaires de puériculture, les puéricultrices, etc. J'en oublie certainement, des personnels qui, là aussi, sont confrontés à des conditions de travail de plus en plus désastreuses et qui exigeaient des moyens pour faire fonctionner le secteur dans lequel ils travaillent. Et vous verrez en page 6 des reportages qui ont été réalisés par nos correspondants dans différents rassemblements dans toute la France qui reviennent, donc qui expliquent les revendications de ces personnels. Et puis, bien sûr, puisque c'est aujourd'hui que cette mobilisation a lieu, la question de la justice. Hein, vous avez certainement suivi. Le point de départ, c'est une tribune qui a été signée par 3000 magistrats qui expliquent que la justice fonctionne très mal parce qu'elle manque de moyens. Et nous avons donc interviewé Bienvenue Gomis, qui est avocate pénaliste et qui est membre du Conseil syndical national du SAF, le syndicat des avocats de France. Et elle explique quelles sont les raisons de cette mobilisation qui a lieu aujourd'hui dans toute la France. Alors d'abord, elle indique que la tribune qui était signée au point de départ par 3000 professionnels est aujourd'hui signée par 6000 magistrats, soit 2/3 de la profession. Vous imaginez ce que ça veut dire, 2/3 de la profession, surtout quand on sait que les magistrats sont tenus au devoir de réserve renforcée et peuvent difficilement s'exprimer publiquement. Mais là, la coupe est pleine elle a donné lieu donc à cette tribune exigeant des moyens et à cette mobilisation à laquelle se sont joints les avocats et leur syndicat, le SAF. Et l'avocate en question, Bienvenue Gomis, explique très bien quelles sont les conséquences de cette dégradation des conditions de travail. D'abord pour le justiciable, avec des délais de jugement qui sont extrêmement longs. Hein, par exemple, elle donne le cas d'un de ses clients qui a été condamné en 2018 à 4 mois d'emprisonnement ferme et il vient de passer il y a quelques jours devant le juge d'application des peines. Donc vous imaginez, 4 ans plus tard, sa peine va être appliquée. Et puis par ailleurs, elle explique aussi une autre conséquence pour les justiciables, c'est que désormais, la détention devient la règle parce que c'est la règle la plus facile à appliquer par les magistrats, alors qu'on pourrait trouver d'autres solutions. Et puis bien sûr, des conséquences pour les avocats, puisque ils doivent avoir des audiences à rallonge, des délais de jugement extrêmement longs, et puis ça les pousse à demander une multiplication de demandes d'actes, de remise en liberté, de modification de contrôle judiciaire, qui de fait vont encore accroître la charge de travail des juges et donc renforcer encore les délais de jugement. Donc bien évidemment, nous y reviendrons, hein, puisque la mobilisation a lieu aujourd'hui dans différentes villes de France. La page des jeunes, en page 8,
un beau travail avec un argumentaire. Hein. Les jeunes répondent, les étudiants, à la question à quoi pourraient servir les 600 milliards qui ont été offerts aux patrons depuis le début de la pandémie. Et par exemple, Oriane, qui est étudiante à Nancy, elle dit ça pourrait servir à rouvrir notre resto U, hein, vous savez, qui a été fermé, et puis à rétablir les repas à 1 euro. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a été supprimé dès que les choses allaient un peu mieux, entre guillemets. Et puis Morgane, elle est étudiante à Brest, et elle dit ça pourrait par exemple servir à restituer nos heures de cours supprimées et à embaucher des profs. Pas faux. Et puis Thomas, Grégoire, Romain et d'autres qui sont étudiants à Amiens reviennent sur ça servirait à sauver l'université de manière générale, notamment en lui donnant plus de moyens, en donnant plus de place aux étudiants et en donnant plus de postes pour les enseignants. Et vous lirez aussi dans cette page l'interview de Mario, qui est militant du collectif des étudiants étrangers de Paris 8 et qui explique la bataille qu'il mène depuis presque un an pour la régularisation des étudiants étrangers sans papier de la fac de Paris 8, avec des promesses qui ont été tenues par la présidence de la fac, qui ont été données par la présidence de la fac, mais qui n'ont pas été tenues. Et donc, la bataille se poursuit pour obtenir la régularisation de ces étudiants, qui, je le précise, à partir du moment où ils n'ont pas de papier, ils ne peuvent pas travailler, donc c'est encore plus compliqué pour eux de subvenir à leurs besoins. Je parlais tout à l'heure de la mobilisation chez les agents territoriaux, et vous verrez en page 9 une interview fort intéressante d'un élu du groupe LFI, du conseil municipal de Malakoff, qui explique les raisons pour lesquelles son groupe a été amené à voter contre la mise en œuvre des 1607 heures, et qui explique aussi pourquoi, comme groupe, ils ont été sortis de la majorité municipale parce qu'ils ont osé dire qu'ils ne voulaient pas que soit mise en œuvre cette réforme du sceau. Et lui donne deux arguments qui sont bien évidemment tout à fait valables. Ils disent que de toute façon, cette loi, c'est une loi qui est, comment dire, anti-ouvrière, puisque, par exemple, à Malakoff, elle fait perdre 8 jours de congé aux personnels territoriaux, comme c'est le cas dans de nombreuses communes et dans de nombreux départements. Et il y a un autre argument qu'il avance, c'est que c'est la remise en cause de la libre administration des communes, puisqu'à partir du moment où les communes décident de ne pas appliquer, c'est le préfet qui prend la main pour aller jusqu'au bout de l'application de cette loi. Et il explique comment son groupe en est arrivé à cette décision. C'est qu'au comité technique, il y a eu 5 voix contre de la CGT, une voix pour la CFDT, la CGT et le syndicat très largement majoritaire chez les agents, 85% chez les agents. Et donc, ils se sont appuyés sur ce vote au comité technique pour décider de leur vote au sein du conseil municipal. Et bien évidemment, ça doit nous faire réfléchir, puisque ce qui est possible à Malakoff doit l'être dans toute la France, en tout cas là où il y a des conseillers municipaux de la France insoumise, mais pas seulement. Page 11, 2 pages très très denses. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la publication de l'appel à la tenue d'une conférence mondiale ouverte contre la guerre, l'exploitation et le travail précaire et pour l'internationale ouvrière. Cet appel est signé et contresigné par 601 militants de 57 pays. Donc, nous publions non seulement l'appel, mais les 601 signatures. Donc, vous comprenez bien que c'est dense. Je vous invite à prendre une loupe pour pouvoir lire les noms, mais je pense que c'était important que nous donnions, l'importance que prend cette initiative à l'échelon international. Je précise que cette conférence aura lieu les 30 et 31 octobre prochains, et elle sera précédée par la conférence internationale des femmes travailleuses le 29 octobre. Alors, rapidement sur les autres questions de l'international, vous pourrez lire en page 13 un article sur la situation en Allemagne après la mise en place de la nouvelle coalition gouvernementale, hein, vous savez, du SPD, du FDP, le Parti bourgeois et des Verts, et avec une première déclaration d'Olaf Scholz, le nouveau chancelier fédéral, qui est l'équivalent chez nous du Premier ministre et qui est quand même le responsable, le dirigeant du SPD,
qui dit la chose suivante, il n'y aura pas de grand changement. Et pour cause, puisque il a été jusqu'en 2021 le vice-chancelier pardon, de la grande coalition avec Merkel et l'initiateur du plan de relance de 1 200 milliards d'euros accordés aux banques et aux entreprises. Ce sont des choses que nous connaissons bien en France. Et par ailleurs, le ministre de la Santé du nouveau gouvernement a indiqué qu'il se prononçait nettement pour la fermeture des petits hôpitaux au nom de l'amélioration de la qualité des soins médicaux et pour résoudre le problème de pénurie de personnel. Donc, vous voyez que ce gouvernement n'a pas tellement l'intention de répondre aux préoccupations des travailleurs. Et puis, en page suivante, en page 14, nous revenons sur la situation au Chili, puisque ce sont les héritiers de Pinochet qui sont arrivés en tête du premier tour des élections présidentielles. Le second tour aura lieu le 19 décembre prochain et nous revenons sur comment dire, qui sont les deux candidats en présence. Bien évidemment, nous serons amenés là aussi à revenir sur cette question dans notre prochain numéro. Alors, pour terminer, en page 16, nous revenons sur la situation chez les cheminots avec l'interview de trois délégués syndicaux, un de FO, un de Sud et un de la CGT, hein, qui explique les raisons d'une possible grève déjà actuelle, mais qui pourrait, comment dire, s'étendre dans quelques jours, qui tourne, toutes les revendications sont identiques, c'est contre les réorganisations en lien avec le positionnement pour l'ouverture à la concurrence, qui entraîne des suppressions de postes et bien évidemment une augmentation de la charge de travail. Hein, tous les trois reviennent sur cette question. Et puis, pour les usagers, c'est bien évidemment mise en danger de ces usagers, puisqu'on supprime sur un certain nombre de lignes ce qu'on appelle l'accompagnement non systématisé des trains, hein, c'est-à-dire les contrôleurs sur les petites lignes, notamment à Rouen. Et l'un d'entre eux pose une question qui recoupe, je crois, ce qui est en ouverture du journal sur les grèves. Il dit « Est-ce que les organisations syndicales vont jouer leur rôle et aider à concentrer le mouvement ?» Ce à quoi, bien évidemment, les cheminots aspirent. Et il explique que l'enjeu, c'est l'unité pour les revendications communes à tous et que cela appelle une mobilisation de grande ampleur à l'appel de l'ensemble des organisations syndicales. Mais là aussi, nous serons amenés à y revenir. Au revoir.